start again. So let's do it. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Vous êtes sur Pizza Media. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est mon ras-le-bol. Le français TAC n'est plus un artiste à représenter. Il a commis une erreur irréparable. Et donc, dans cette vidéo, je vais lui recadrer correctement. Ne ratez pas cela. Et sa part de responsabilité lors de son concert avec cette fille. Alors, comme tous les autres artistes, il est très important de sortir de son pays et aller livrer d'autres concerts dans d'autres continents ou dans d'autres pays. Et c'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Et à son arrivée, tout a bien commencé. La foule s'enjaillait de joie, sautait des cris de joie, les acclamations, des cris d'accompagnement, ça et là. Jusqu'à l'heure où l'artiste a invité la demoiselle. Mais je me pose la question à savoir, pourquoi c'est cette fille qui a été appelée? Expliquez-moi. Et quel comportement elle a affiché vis-à-vis? Et les yeux de l'artiste sont tombés sur elle. Mais je comprends une seule chose. C'est sa façon gestuelle. Elle chantait, bien sûr. Criait, sautait, faisait les mains, allait gauche à droite. Et puis, elle a été remarquée par l'artiste. Mais jusqu'à présent, et sa façon de faire, ce n'est pas grave. Et je ne condamne pas cela. Je pose une question au chanteur. Quel est ton degré de réflexion? Quel est ton degré de professionnalisme? Avant de monter sur la scène, quel genre de réflexion tu mènes? Quelle stratégie tu veux adopter? Voilà ce que je te pose comme question et je veux que tu me répondes. Pour conseil, je t'invite d'aller voir Fally Ipupa. Alors vous, cher public, qui a une fois vu Fally coller serré avec une fan, vous pouvez regarder ses concerts. Même si cette dernière, une fois sur le podium, essaie de coller avec l'artiste, le gars recule. Il fait un pas devant, le gars fait un pas derrière. Il cherche à prendre sa main, le gars se retire. Et juste un simple accolade pour l'embrasser même, ce n'est pas ça. Simple accolade et puis c'est tout. Ça monte combien de fois? Le gars est responsable, il a une famille à la maison. Et celle qui est devant elle, il ne sait pas, il s'agit de quel type de fille. Donc, monsieur le français, toi je ne t'ai pas compris. Bien sûr que la carrière de cette dernière n'était pas mal. Oui, bien dessiné, dressé derrière, c'est comme ça. Mais il fallait s'abstenir. Quant à la dernière, également, je ne l'ai pas compris. Oui, excité, surexcité. Et tu sais bien que tu es arrivé avec ton gars. Tu as tout planifié pour que ton garçon là. C'est quelle folie qui t'a excité jusqu'à dans la bouche de l'artiste. C'est tellement gauche, c'est très gauche. Même si c'est moi, ça ne va pas passer. Donc c'était mon ras-le-bol. Pour invitation, repentez-vous et donnez vos billets à Dieu. Il est gentil, il est très sympa. Je termine en disant que chacun fait des erreurs. Toute personne arrive une fois dans sa vie à commettre une erreur. Ceci étant arrivé, le français a regretté. Il a reconnu l'erreur qu'il a commise. La fille également en a regretté. Donc, cher public, pardonnez-les. Quant au monsieur en question, je sais que c'est très difficile. En ce moment, j'imagine ce qu'il est en train de vivre. C'est très difficile. Mais pardonne et sois libre. Sinon, tu resteras esclave du non-pardon. Alors, toutefois, vos avis sont les bienvenus en commentaire. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas une chose la plus importante pour moi. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez également. Au revoir et à bientôt.